Démonstration technique du vidage de masque par l'encadrant à ses élèves. Leur montrer ce qu'est une dissociation bucco-nasale, afin de pouvoir enlever leur masque et le remettre sans aucune difficulté, soit pour enlever la buée qui est dedans, soit parce qu'ils l'ont perdu lors d'une plongée. Voici ce qui arrive lorsque l'on ne maîtrise pas le vidage de masque. Problème de dissociation bucco-nasale. Il devient compliqué de vider son masque sans cet exercice. Exercice du lâcher et reprise d'embout sur inspiration puis sur expiration. Un exercice qui semble facile à effectuer et pourtant, à en voir les images, c'est pas le cas. Il est nécessaire de faire fuser son détendeur, mais pas de trop. Dans certains cas, il est nécessaire de faire faire une dissociation bucco-nasale avec le masque. Et pour cet élève, cela s'est avéré un bon exercice.